on va transformer le pain qu'on a de hier. On l'a fait sécher au four. Et ensuite, le crumbler va nous permettre de le récupérer en farine. On obtient comme une chapelure, très très fine. C'est avec ceci qu'on va faire les pains, les muffins. Donc là, on va faire des moelleux au chocolat. Donc on va utiliser cette farine à 50%. On va utiliser un peu de farine pâtissière. Et tout le reste du moelleux au chocolat habituel. Aujourd'hui, il y a énormément de gaspillage alimentaire et de gaspillage de pain. Le crumbler s'adresse aux professionnels et leur permet d'éliminer le gaspillage de pain tout en faisant derrière des économies de farine. Le fait de pouvoir avoir des nouvelles gammes de produits sympas avec des nouvelles textures. On va déjà mettre à fondre le chocolat. Le chocolat et le beurre, comme pour un moelleux traditionnel. 200 g de farine. Donc là, on a mis 50%, donc 100 g de chapelure. Ça nous permet de ne pas repasser tout notre pain qu'on a invendu. Aujourd'hui, on est sur de l'anti-gaspillage et donc nous, on revalorise nos farines. Donc avec 6 magasins aujourd'hui, ça me permet de pouvoir éviter de gaspiller le moins possible et de revaloriser ces farines-là. C'est là exactement. Exactement comme si on avait utilisé que de la farine normale. Là, une vingtaine de minutes.